compliqué de filmer ici qu'en Argentine. Buenos Aires. Ah, je rêve d'aller en Argentine. Ouais, après, je vais... Ça a l'air bien. Hein. Alors, attends, déjà, question, oui, allons-y. Première question, toute simple. Qui êtes-vous? Enfin, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Éric Nolo, je suis né par un petit matin venteux au début des années 60 à Baden-Baden en Allemagne. Et je saute rapidement 50 et quelques années, je me trouve aujourd'hui au couvent, dans un couvent d'Aix-en-Provence, pour le Salon des Livres et des Stars. Alors, mon nouveau livre porte sur la grande passion de mon existence, qui est un rocker britannique, qui s'appelle Graham Parker. Et je suis un Parkeromane, c'est-à-dire que j'ai une obsession pour Graham Parker, qui est pour moi le plus grand artiste de tous les temps. Et j'ai eu la chance qu'il devienne mon ami, que je devienne son éditeur, parce que c'est un excellent écrivain. Et puis j'ai réalisé mon rêve ultime, c'est-à-dire monter sur scène avec lui pour un spectacle où je lis des extraits de mon livre, lui joue sa musique. Et à partir de tout ça, j'ai fait un livre qui s'appelle Parkeromane. Ah, c'est pas possible! Non, je peux pas répondre à ça. Écoutez, on peut pas déléguer à quelqu'un le soin d'écrire sur sa passion de 40 ans. Tout ce que j'ai publié dans ma vie, tout ce que j'ai dit à la télévision, à la radio dans ma vie, c'est moi qui l'ai écrit, évidemment. C'est pas possible. Je ne peux pas déléguer à quiconque le soin de mettre en mots ma passion. C'est pas possible. Je ne me prends pas pour un artiste, mais quand on est sur scène avec un rocker du calibre de Graham Parker, forcément, on n'est plus chroniqueur, on n'est plus animateur, on donne une performance artistique, donc c'est le rapport entre quelqu'un sur scène et un public. Moi, je voudrais le faire 1000 fois, 10 000 fois, je voudrais monter 10 000 fois sur scène avec mon idole. Mais non, mais vous avez parfaitement le droit de ne pas regarder la télé. Je viens de re-signer pour une saison supplémentaire pour mes deux émissions sur Paris Première, Zemmour et Nolo d'une part, et Ça balance à Paris de l'autre. Et il se trouve que le spectacle Parkeromane, je l'ai donné pour la première fois le 22 novembre, donc 9 jours après les attentats. Et on sentait bien qu'il y avait une tension dans la salle particulière. Mais il y avait aussi le plaisir des gens d'oublier ça, pendant 1h30, 2h, de se laisser aller juste au plaisir du spectacle, que ça soit le nôtre ou les innombrables pièces et films qui sont proposés à Paris et ailleurs. Non, j'ai pas eu peur, Graham Parker non plus. On y est allé, on a fait notre truc et je peux vous dire que les deux premières représentations, le 22 à Cognac et le 23 au Bouffes du Nord, la réaction du public a été extraordinaire. Sans doute parce que ça permettait d'évacuer la tension de cette période. Non, vraiment, c'est des très grands souvenirs de cette période un peu difficile, mais ça reste quand même des très grands souvenirs.